Jeudi 7 mars 2024, madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans notre journal spécial. C'est là, journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité au concernant le pays d'Haïti, Premier ministre Ariel Henry, toujours aidé au pays d'Haïti depuis dimanche 25 février 2024. Il a quitté le pays d'Haïti pour le rendre dans le pays Guyane. Il a participé à la 46e rencontre chef d'État CARICOM depuis le Premier ministre qui bloqué d'ailleurs à cause de la violence qui a développé dernier temps dans divers coins dans le pays d'Haïti, précisément dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, côté te gagné gros attaque qui était faite sur l'aéroport international Toussaint Louverture. Diverses compagnies aériennes d'après décidé pour ne pas voler en direction Haïti, ça qui la cause. Premier ministre n'a impossibilité pour le retourner par bon ici, ça qui la cause tout. Diverses organisations internationales a essayé analyser dossier pays d'Haïti à divers secteurs dans la vie nationale là tout. Profiter moment pour demander Premier ministre Ariel Henry. Faut qu'il tire la raison, faut qu'il t'a démissionné, c'est la meilleure façon pour qu'a permettre le pays à râler un souffle. Faut que nous disions, gagne et tout, dans ça qui est pour avec le Premier ministre qui est l'autre bord et l'eau depuis un bon bout de temps. Gagne là, selon Issa qui a dit dans la presse locale, tu as supposé gagner un conseil présidentiel qui remplaçait le Premier ministre Ariel Henry. Conseil ici là qui t'a supposé gagner en tête li Guy Philippe magistrat et junior et Durin Duret avec madame Françoise qui t'a dû remplacer Ariel Henry. Et bien toujours dans et ça qui gagne pour mesdames et messieurs avec dossier pays d'Haïti gagne et Monsieur Sahar qui n'en tête l'État, dans le moment où on a parlé de Michel Patrick Boisvert, lui-même qui est ministre AI, dans le moment dans le pays d'Haïti, c'est lui qui a remplacé le Premier ministre Ariel Henry dans le cadre de voyage. Le Premier ministre, lui-même, lui a fait Patrick Boisvert. Te remplacé pour un petit bout de temps, eh bien, li décrété état d'urgence sous pays d'Haïti. Yon l'autre fois encore après, yon te fin décrété état d'urgence dans le pays pour 3 jours. Journée jodi a la, à travers yon arrêté et gouvernement prend qui est porté signature Michel Patrick Boisvert, ministre économie et finance, qui est ministre actuel pays d'Haïti, les mêmes qui signent côté pays après le passé, un mois avec état d'urgence, là, côté est vraiment, ils ont tout décrété couvre-feu, ils ont l'autre fois encore après, ils ont fini décrété couvre-feu pour 3 jours, cette fois-ci, ils ont pris rendez-vous pour couvre-feu ça, les fini et dimanche, côté la commencé. C'est 6 heures dans l'après-midi, la fini 6 heures du matin. Yo situation n'a pas suivre avec un pile attention. Dans ça qui gen pour avec départ Premier ministre, côté li trouvé dans le pays Porto Rico, nous connaît Ariel Henry, lui-même te grand ni Porto Rico après, li te finoué. Autorité dominicaine yo te interdit atterri sous aéroport qui dans Saint-Domingue. À cause de quelques conditions qui pas remplies, eh bien, il y a un petit groupe monde qui c'est haïtien majoritairement, t'as pris le rendre devant hôtel côté Premier ministre Ariel Henry, lui-même lui hébergé dans ville San Juan, capitale pays Porto Rico. Eh bien là, il t'a pris vraiment masqué devant hôtel là pour demander Premier ministre Ariel Henry tant pris et racheter Mayotte lui et Baïtéa, lui pas légitime pour continuer à diriger pays d'Haïti, lui pas gagner capacité pour ça, eh bien, divers haïtiens ça ou pas mettre de l'eau dans bouche pour te lancer parole piment bou contre Premier ministre haïtien. Eh bien, faut que nous disions gagner communauté internationale là qui est dans une attente là pour acteur politique yo ta soumettre un document qui a gagné et prétendant remplaçant Premier ministre Ariel Henry qui gagné seulement et jeudi pour prendre décision ça pour envoyer document dans Nations Unies pour qu'on ait qui est cap gain pour remplacer Ariel Henry malgré et Premier ministre pour qu'on rende
démission, mesdames et messieurs, une situation n'a pas suivi avec un pile intérêt. Gagné tout journée jeudi a gagné un gros mouvement levé campé dans la cour et Port-au-Prince côté Soudelma t'as gagné un groupe manifestant qui t'a prendre direction ambassade Canada qui fermait depuis environ 3 jours dans le pays d'Haïti. Eh bien la police t'a repoussé manifestants ça elle t'a fait usage gaz lacrymogène, une situation qui était la cause en pile tête chargée et militants yo pat mette eh bien de l'eau l'embouchure pour te lancer parole piment bouc à l'égard de policiers ça qui te fait usage gaz lacrymogène et militants yo gagné un seul objectif qui c'est départ premier ministre Ariel Henry. Dans international là gagné jodia qui c'est une date spéciale dans l'histoire États-Unis et gagné président Joe Biden qui a préparé pour lui-même lui fait un discours dans le cadre de circonstances. Nous allons inviter rete suivre pour plus de détails. L'autre fois encore pour le présenter un programme dans langue créole haïtienne. Jeudi, c'est jeudi 7 mars 2024, un grand jour dans l'histoire des États-Unis parce que jeudi, c'est nous pour gagner discours sur l'État de l'Union. Moi, c'est Jacques Lambelizer. Quelqu'un grand point cap dominé actualité. Dans le moment, Premier ministre haïtien Ariel Henry toujours à l'étranger, plusieurs pays et organisations internationales ont penché sous crise pays d'Haïti. Dans la ville San Juan, Porto Rico, il y a un petit groupe qui puis forcé haïtien planté piquette devant un hôtel côté Premier ministre Ariel Henry ta descend côté a réclamé démission. Dans le pays d'Haïti, autorité a renouvelé état d'urgence là pour un mois avec interdiction pour monde manifester sous voie publique là. Et puis États-Unis, président Joe Biden a paré pour prononcer asoya discours sur état pays qui chargeait avec importance politique surtout dans l'année électorale. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment qu'on se dit là aujourd'hui à son jour historique même parce que son tradition historique dans et question politique ici aux États-Unis côté que président démocrate là aujourd'hui en parlant de Joe Biden, il pral prononcer un discours qui est spécial et très politique parce que son année électorale son rendez-vous ou pas de manquer. État-nation, président Joe Biden va présenter bilan politique li by nation dans un discours devant deux chambres congrès réunies et devant nation américaine. Jour cap jeudi 7 mars 2024 ça. VOA Creole a sous place dans Washington DC pour pote ba ou live en direct. Discours président américain en créole. Journaliste VOA Creole ensemble avec des invités, analystes politiques va permettre ou vivre événement politique ça. State of the Union. État-nation, branché sous VOA Creole à partir de 8h 39 sur toute plateforme VOA Creole. Branché VOA Creole. Donc, son rendez-vous pour pas rater et pita dans le programme dans la wagon idée sous éventuel point que président Joe Biden a bien pour aborder à soya dans discours sous État de l'Union, État-nation, qui j'en pays aïe, ça le fait déjà et ça le compte fait. Actualité dans le pays d'Haïti, nous prenons d'abord dans route Delma et dans la zone ambassade et Canada, côté que manifestants prennent la rue en manifestation anti-gouvernementale. Et nous allons rejoindre le correspondant de Massado Vilme, qui a porté image pour nous sous manifestation ça qui dérapait tout à l'heure là. Nous-mêmes, à partir de aujourd'hui, nous-mêmes, bravo, pas de légitimité pour déclarer l'état d'urgence sous pays. Nous-mêmes, opération, nous lancer aujourd'hui, nous lancer opération. Cherchez bravo à toute famille, à toute arrière, à toute amie, à toute accolade. Opération, chassez tout ministre qui est dans le pays, ministre de facto. Après 7 février 2024, Monsieur Ariel, c'est ancien PM. Il n'a ni titre, ni qualité, rien même. C'est-à-dire, Ariel n'a pas nommé au monde AI pour que ça a déclaré nous état d'urgence. Il n'a pas déclaré état d'urgence, il a déclaré état de guerre avec le pays. Et nous dit, 12 millions d'habitants, la campé pour la bataille. Ce qui a déclaré nous la guerre, c'est parce que l'Occident fait une déclaration. L'Occident dit comme ça, je dis à ce soir, Ariel, tu as participé dans la commission présidentielle là pour t'a démissionner ou bien pour t'a ministre, premier ministre, je nous dis, c'est bien côté mal calculé. Dans le moment où ça n'a pas la voix là, commission pour l'établir, côté elle doit établir dans le palais national. Et si son chef de l'État qui te dit ça, nous t'a respecté. Mais nous, est-ce que son délinquant, son criminel,
Nous sommes pour Boisvert, pour qui ça Boisvert. Nous sommes pour Ariel Henry, qui ça Ariel Henry. D'ailleurs, nous déjà révoqué Ariel Henry. Même, je nous dis là, nous occupons la RIA pour chercher évader qui relève Ariel Henry. Pour chercher évader qui relève Patrick Boisvert. Donc, nous ne sommes pas chef, nous ne pouvons pas comprendre son nom. D'ailleurs, nous déjà révoqué, nous déjà dit ça au relève du conseil présidentiel qui est pour installer. C'est une façon pour montrer que nous ne sommes pas chef. Donc, nous sommes dit international pour tout qui est nous pas besoin de ça. Tout qui est pour nous, nous-mêmes, nous pas besoin de pays. Nous ne sommes pas capables de bouter Papa de Saline. Nous pas besoin d'avis diplomatique pour nous installer un président ou bien un conseil présidentiel dans tel pays. Parce que nous sommes un État souverain. Je dis, l'éclair, pays n'a pas gouverné. Pas gagné, Ariel Henry, dictateur Ariel Henry, lit en cavale. Je dis là, où on présente un gouvernement de facto, démissionnaire. Et ça fait que, je dis à toute partie politique dans le pays, doit unir, pour dégager une seule synergie. Dans la bataille, nous, aujourd'hui, là, nous devons utiliser notre légende. C'est la légende noire pour nous utiliser. Et la légende noire, c'est l'union fait la force. Donc c'était une idée de manifestation ça qui fait que des rappels là sous route d'Elma, ils étaient passés devant l'ambassade Canada. C'est une manifestation anti-gouvernementale. Et faut dire que manifestation ça a déroulé dans le moment que le gouvernement prolongeait l'état d'urgence là et mandé interdiction pour manifestation faite sous la voie publique dans le département l'Ouest là. Renan Toussaint gagne Abdi nous plus sous décision ça que le gouvernement prend. D'après un communiqué numéro 2, la primature publiée qui portait signature Premier ministre A.I. Michel-Patrick Boisvert, gouvernement haïtien en référence à arrêté 6 mars 2024 relatif à état d'urgence sous toute étendue du département de l'Ouest pour une période un mois qui démarrait à partir jeudi 7 mars pour arriver 3 avril 2024 pour rétablir l'ordre et prendre décision adéquate pour reprendre contrôle de situation. Décrété un couvre-feu sous territoire entre 6h à soir pour arriver 5h dans le matin, jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars 2024. Selon le communiqué, mesure ça pas appliqué pour agents force publique qui en service, tant que pompiers, personnel santé et journalistes qui dûment identifiés. Pendant temps état d'urgence là, toute manifestation interdit la journée qu'on a nuit dans la région l'ouest pays d'Haïti. Force l'audio déjà recevoir instruction formelle avec moyen légal qui à disposition yo pour faire respecter couvre-feu et arrêter tout individu qui pas ta plié en bas mesure ça d'après communiqué la primature. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, toujours concernant pays d'Haïti, concernant et Premier ministre Ariel Henry, il y a quelques membres dans la communauté haïtienne à Porto Rico qui protestaient contre la présence du Premier ministre Ariel Henry sous Osilea. Sandra Lemaire, il y a un détail sur la manifestation ça, qui était organisée devant l'hôtel Premier ministre Ariel Henry. Premier ministre Ariel Henry a goumen pour rester sous pouvoir. Normalement, l'a essayé retourner à Haïti, gang Améo forcé fermetu aéroport international tout sans ouverture là et puis libéré plus passé 4000 prisonniers dans pénitencier. À partir mercredi, Henry était toujours Porto Rico. Côté il était atterri mardi après République dominicaine t'est empêché lui atterri la Cayli. Autorité dominicaine yo dit c'est parce que yo fermé espace aérien yo pour tout vol cap entrer sorti Haïti. Directeur Institut Aviation Civile Dominicaine dit journaliste avion Premier ministre là pas de gagner un plan de vol qui c'est une exigence. Devant hôtel côté yo dit Premier ministre là descend dans capitale Porto Rico à San Juan, un petit groupe haïtien t'est campé devant porte là à 34 qui m'a dit li bay démission. Leonardo Profil, c'est porte-parole communauté haïtienne Porto Rico.
la presencia de nosotros aquí pidiendo que renuncie el primer ministro. Il dit nous ici pour demander démission premier ministre là pour qu'il y ait élection et puis pour pays à retourner dans l'état normal. José Rodríguez, c'est président communauté d'Ouamoun, Porto Rico. Convocado por la comunidad haitiana residente en Puerto Rico, protestando por la presencia de Ariel Henry. Les communautés haïtiennes ont demandé nous venir ici pour protester contre la présence d'Ariel Henry, qui baigne dans sang Haïti pour n'y a parce que les pas organisé élection, Jean l'était doué faire. Probablement, l'étape essayait d'entrer en République dominicaine tout doucement, d'après ça nous apprenons aujourd'hui. Le gouvernement dominicain a changé l'idée parce que ça a quand même été gouvernement dans une situation difficile. Donc, on a protesté pour que monsieur ça a quitté Porto Rico parce que lycée personnel en grata, non seulement pour la communauté haïtienne, mais tout pour la communauté dominicaine qui est affectée par la situation actuelle pays d'Haïti. Henri pas qu'à tourner Haïti Kounia et semblait la faire face à un impasse qui a augmenté de jour en jour parmi responsables qui soit mandé démissionner, soit a encouragé le faire ça. Henri t'a quitté Haïti mois passé pour assister à rencontre au sommet 4 jours CARICOM dans Guyana. Après rencontre communauté caraïbéenne, il était prend avion pour Kenya. Côté il était rencontré président William Ruto pour signer un accord bilatéral pour autoriser déploiement policier Kenyan pour diriger une force sécurité multinationale que l'ONU a appuyé pour aider force police nationale Haïti rétablir sécurité en Haïti. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Évidemment, on a parlé là, dossier pays d'Haïti a trouvé plusieurs côtés dans plusieurs pays et dans plusieurs organisations internationales, notamment dans CARICOM, et nous sommes capables de voir déclaration qui était sortie hier, qui sorti dans CARICOM, qui dit que y a essayé faire réunion avec plusieurs protagonistes, plusieurs entités, plusieurs parties dans la crise politique haïtienne. Et pendant ce temps, tout qu'une organisation mondiale là, on a parlé de Nations Unies, lui-même qui était réuni hier, non, et session à toute porte fermée, à huis clos, côté que y a préoccupé devant situation qui a dégradé dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, République Dominicaine annonçait une autre fois augmentation sécurité sous frontière que le partager avec le pays d'Haïti. Serge Rodriguez, il y a des détails. République Dominicaine fait connaître mercredi, il fait même frontière, il partage avec Haïti, après leader gang dans pays voisin, Jimmy Cherizier, financé avertissement pour dire guerre civile et génocide bien capable d'éclater dans pays. Premier ministre haïtien Ariel Henry, qui pat élu, a atterri sous île Porto Rico, m'a dit 5 mars passé, comme ça, il a effacé doute sous côté l'Italie après voyage, li dans pays Kenya, semaine passée, dans le cas de signature, un accord sur sécurité avec Nation Afrique de l'Est, là, qui parie pour prendre direction déploiement d'une force multinationale, qui vise combattre activité gang en Haïti. Quand il y a divers groupes gang qui continuent à batailler pour territoire, décidé de mettre tête ensemble pour gommer contre force multinationale qui a débarqué dans le pays. Homero Figueroa, c'est porte-parole de la présidence en République dominicaine. Représentant des forces armées informé Conseil de sécurité nationale comme quoi il a augmenté la surveillance aux frontières de pays partagés, côté il a transféré plus personnel et équipement nécessaire pour garantir l'ordre et la sécurité sur tout le territoire dominicain. En plus de ça, M. Figueroa a abordé conversation République dominicaine te gagné avec gouvernement haïtien et gouvernement états-unien sous situation premier ministre haïtien Ariel Henry. Dans la date 5 et 6 mars passé, gouvernement haïtien et administration président Joe Biden a fait une consultation informelle avec nous sur possibilité pour avion qui a transporté PM Ariel Henry a atterri sur territoire dominicain dans le cadre d'une escale indéfinie. Dans tout le cas, Santo Domingo a dit qu'il est impossible pour sa fête sans pas gagner un plan de vol. Pendant ce temps, le journal en ligne Van Boeuf rapportait que Guy Philippe a cherché pour tête un conseil de transition et a mis sous pied en Haïti. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez, ou toujours sous VOA Creole, ou a suivi un programme dans langue créole haïtien et nous te connaissons position Washington parce que tu es grand pile rumeur qui t'a dit comme quoi que Washington t'a fait pression sur le premier ministre Ariel Henry pour t'a démissionner, mais et que c'est le département d'État, que c'est Mme Linda Greenfield et dans les Nations Unies, que c'est dans la Maison Blanche avec Karine Jean-Pierre, et bien, ils ont tout dit que Washington simplement mandé pour et premier ministre Ariel Henry prend direction un conseil et transition présidentielle pour être capable
et organiser élection dans le pays. Donc jusqu'à présent, c'est à ça que nous y est aujourd'hui. Pendant ce temps, déploiement force multinationale là, c'est seul moyen pour contrer violence gang dans le pays d'Haïti, selon commissaire Nations Unies sous situation droit monde en Haïti. Volker Turk parlait de 1193 monde qui perdu la vie dans zak violence bandio. Détail avec correspondant Yves Manuel. Plusieurs centaines de monde perdent la vie en raison zak violence qui fait dans la capitale haïtienne dans le commencement année. Bureau droit de l'homme Nations Unies Volker Turk a dirigé qualifier situation ça insoutenable. Crise là intensifiée dernier jour ça yo suite à évasion plus passé 4500 prisonniers dans prison principale Port-au-Prince. Chef criminel Jimmy Cherizier alias Barbecue lancé une offensive pour renverser Premier ministre Ariel Henry et gouvernement là. Selon au commissaire 1193 moun perdu la vie ak 692 lot blessé en bas violence depuis commencement année. Les souligner les igen pour force multinationale la déplotonner dans pays pour courir police nationale la pendant la fumée pas gen l'autre alternative qui réalise pour sauver vie ak bien en dans pays. Depuis le début de l'année, 1193 personnes ont été tuées et 692 blessées du fait de la violence des gangs. Ce sont vraiment des chiffres choquants. Cette situation est plus qu'insoutenable pour le peuple haïtien. J'appelle encore une fois au déploiement urgent, sans plus attendre, de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti afin de soutenir la police nationale et d'apporter la sécurité au peuple haïtien dans des conditions conforme aux normes et standards internationaux. Qu'est-ce que monde qui déplacé en deux pays a atteint chiffre 313 000 avec 15 000 déplacés en plus dans dernier temps ça yo selon bureau coordination affaires humanitaires. Selon haut commissaire Nations Unies, situation humanitaire dans pays d'Haïti critique et le besoin d'une action urgent. Capitale haïtienne vive à Yemekodian dernier jour sous état urgence qui décrété dimanche pendant fusillade, pillage, incendie criminel ak atteinte nouvelle mesi pour tenter faire face à chaos qui a régné dans pays. Entreprises publiques et privées ferment porte yo dans ville côté transport public là a fonctionné au ralenti. Mettez sous ça une crise de l'eau qui vient aggraver situation. Selon une nouvelle arrêté qui sorti dans journal officiel Le Moniteur et qui porte date 7 mars 2024 là, état d'urgence sécuritaire prolongé pour un mois en plus sur toute étendue territoire dans le département l'Ouest là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Effectivement, état d'urgence là prolongé pour un mois avec tout interdiction pour moun pas fait manifestation sous voie publique là dans le département l'Ouest là, mais nous sommes là que dans et sous route Delma il y a une grosse manifestation qui a fait avec un paquet de paroles pimambou contre pouvoir en place là. Ou sous VOA Créole, on suit un programme dans langue créole haïtienne. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Autant qu'on t'a annoncé jeudi à Soya, dans quelques heures, gagné président Joe Biden qui prend le gain pour prononcer traditionnel discours sous État de l'Union et State of the Union. Donc, on discours sous qui Jean pays a et qui ça le prévoit pour le faire par la suite. On a parlé de perspective d'avenir et il pourrait faire discours ça dans un moment côté que il a avancé vers une élection présidentielle qui est fixée pour 5 novembre 2024, donc année ça. Nous parlons idée de discours ça avec Gentil Augustin Junior. Président États-Unis Joe Biden pral fè discours sous état de nation nan année élection jeudi. Lè li espéré discuter sous façon gouvernement lan ap gérer économie, droit reproductif, immigration ak conflit nan Ukraine ak Gaza. Yon l'autre côté, président 81 l'année ya pral profiter tout pour démontrer que li physiquement ak mentalement en forme pour yon deuxième mandat. Public américain yon rete concerné sous l'âge Biden et c'est ça moins pensé. Yon défi clé li pral besoin s'y monter pendant la plaide yon l'autre
mandat. Ça c'est un gros défi pour n'importe président. Mais Biden doit faire face à l'opposition pour yon bagay li pas ka changer. Discours état nation ça, bay président Joe Biden yon aide temps comme candidat pour yon l'autre mandat. Ça qui permet li faire connaître travail li sous problème que électeur yon gen souci. Tankou économie, immigration, droit reproductif ak aide pour Ukraine ak Israël. La Maison Blanche dit VOA que président pral concentrer sous problème ça yo. Li vraiment content opportunité pour le parler ak pep américain yon. Congrès ya si tout ak monde lan sous toute bagay incroyable li te accompli nan 3 l'année et demi comme président États-Unis. Sorti nan économie ak éducation, aller nan soins santé ak travail aussi bien que sous scène mondiale là ak vraiment rétabli leadership américain sous scène mondiale là. Analyse présidentielle yo dit discours président Biden pral concentrer sous politique mais que ton pral sorti nan discours li ak interaction ak audience là. I think he relishes. Mwen pense que li bien remé nan chanm nan et mélanger li ak mam congrès ya. Point fort nan expérience li nan état nation an, te moment républicain yo te défiel pendant discours li ya. Même quand yo tap takinel, li te répond ak rapidité, imou, ironie et en pile efficacité. Analyse politique étrangère yo espéré que Biden mette accent sou conflit nan Gaza. Remarque la, li invite famille américain que groupe armé Hamas la te kembe en otage pour assister ak discours. Ancien rapport sou état nation sa te concentré plus sou problème national yo. Naturellement, gen yon élément domestique dans situation politique étrangère ya, spécialement jan li gère conflit ya nan Moyen-Orient. Mais li certainement pral occuper en pile attention président Biden parce que c'est ça qui occupe attention moun yo tout. Moun kap fè sondage yo di gen yon lot adversaire tout dans l'esprit électeur yo. Chris Jackson retourné encore pour dire Biden, then, ça qui est essentiel pour Biden, c'est montrer que li ka gagner élection en compte Trump. Ça c'est réellement bagay principal là, li pral gen pour montrer. Même plus passer n'importe l'autre bagay. Est-ce que li fait un bon travail avec économie, immigration ou soit l'autre problème yo? Président Joe Biden a gen opportunité pour répondre à question ça yo à soya dans discours état nation. Reportage Anita Powell, VOA News Washington, adaptation Creole, Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. État nation, président Joe Biden va présenter bilan politique li by nation dans you discours devant deux chambres congrès réunies et devant nation américaine. Jou kap jeudi 7 mars 2024 ça. VOA Creole ap sou place dans Washington DC pour pote ba ou live en direct. Discours président américain en créole. Journaliste VOA Creole ensemble avec des invités, analystes politiques va permettre ou vivre événement politique ça. State of the Union, État nation, branché sous VOA Creole. À partir de 8h30 na sous toute plateforme VOA Creole. Branché VOA Creole. Donc un programme spécial côté que n'a gagné Gentil Augustin Junior qui lui-même cap trouver dans que action lui-même là dans Capitol Hill là donc dans Congrès américain côté que président Joe Biden pral prend la parole et a un discours ça ou le discours responsif yon réponse que parti républicain a bay après que président Joe Biden fin fait discours pas oublier Gentil Augustin Junior apnan et lui-même dans Capitol Hill là moi-même avec Valérie Saint-Louis n'a dans studio et n'a gagné avec nous trois personnalités et une personnalité qui candidat pour député et pour démocratio non pour député pour républicain yo en parlant de Joe Telusma et n'a gagné tout avec nous Rodney Joseph qui c'est candidat pour député pour candidat pour Sénat pour démocrate et Joe Telusma pour républicain et n'a gagné tout Friendly Denis Julien comme analyste avec nous. N'a pas tourné dans pays d'Haïti ou toujours souvé au Créole, on suivi un programme dans langue créole haïtien RNDDH c'est réseau national défense droit monde dans pays d'Haïti qui fait sorti un rapport là sur situation dans pays d'Haïti et ben il plaider pour l'autre gouvernement dans pays. Marie Josie Rosie Auguste du Sénat c'est responsable programme dans réseau.
niveau de RNDDH. Nous estimons que, sorti 29 février, pour arriver jeudi, c'est l'autorité de l'État qui quitte les bandits à faire démonstration force, démonstration puissance, parce qu'à aucun moment, ils n'ont pas adopté aucune mesure pour protéger la population, pour protéger bien les gens, et surtout pour éviter l'escalade violente qui a pu déboucher sous évasion prison et au niveau de prison civile Port-au-Prince et au niveau de prison civile Croix-des-Bouquets. Même j'entends. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous pensons que c'est important. Pour nous quand même attirer l'attention tout le monde sur le fait que seule mesure que l'autorité prend depuis 29 février, c'était pour te ordonner blindés qui étaient postés aux alentours de prison civile Port-au-Prince pour les déplacer dans l'idée pour te bailler bandits aux barrières libres pour être capable d'écraser prison. Au niveau de RNDDH, nous pensons que c'est important pour nous souligner que c'est vrai à l'heure nous montrer que plus fort monde qui sauvé dans prison, c'est des monde qui t'attend jugement que mais nous déjà parlé tout avec des policiers, quatre pour pipiti, qui commençaient à recevoir menaces dans des bandits qui arrivaient évader dans dernier événement ça. RNDDH croit que mesure état d'urgence, mesure couvre-feu, pas capable de ramener l'ordre avec la sécurité dans le département de l'Ouest en particulier, dans le pays en général, tout autant bandits auraient été aussi puissants, tout autant gangs auraient été aussi puissants et tout autant tout que hiérarchie police nationale là toujours de connivence avec bandits, alors que eux-mêmes pas jamais suspendre joindre protection dans mes autorités judiciaires avec autorités politiques. D'ailleurs pour preuve, après que le gouvernement fin déclaré état d'urgence et avec couvre-feu, bandits continuer à attaquer l'aéroport international là pour montrer autorité l'État justement que pas rien qui a empêché yo circuler libre dans pays à attaquer à population et surtout attaquer à des institutions que yo décidé pour yo cibler. Donc Marie Rosie Auguste du Sénat c'est responsable programme dans RNDDH et puis dans un communiqué li publié hier mercredi 6 mars là initiative patriote marien dénoncé zak violence bandi a fait dans pays à. Yon reportage Jodley Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté. Chaï sorti dans tête li tombé sous épaule. C'est ak proverbe si la, note la commencé. Nan communiqué ça, li publié mercredi 6 mars 2024 là, initiative patriote marien IPAM qui c'est une structure politique régionale fait connait. C'est plusieurs partis politiques haïtiens mélangés à ko groupe qui responsable ça k'ap passé en Haïti journée jodia. Note la continue pour le dire, violence gang yo la cause 500 000 moun déplacés qui te kayo, 15 000 moun assassinés ak bal, coup de manchette, ou soit boulé tout vivant, 20 000 moun kidnappés, sans compter prison qui crase ak commissariat qui boulé. Toujours dans notre là, initiative patriote marien IPAM dénonce pouvoir Ariel Henry a, li di kap kore gang, kap planifié yon génocide. Pour finir, il n'y a pas mandé peuple haïtien pour surveiller l'autre structure sociale et politique, d'après ça le dit, qui sous contrôle oligarchie pourrie, qui t'a comprendre pour imposer pays à une solution pour satisfaire CARICOM et le groupe. Selon ça, pour résoudre crise la journée aujourd'hui, pays a besoin d'un consensus. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté, pour VOA Creole. Et puis, dans Georgia, Atlanta, gagne un plan éducatif pour immigrants. Yurmi Janit, Abdino Plus. Haïtien qui a entré aux États-Unis, soit par frontière Mexique là, ou bien dans le programme Biden là, pas suspendre augmenter. Yon augmentation qui reflétait dans la communauté haïtienne dans l'État Georgie. Pour raison ça, bureau magistrat Atlanta, après yon rencontre avec consul général haïtien Atlanta, Madame Mitsuka Petit, avec représentant chambre commerce haïtiano-américain Atlanta, fait qu'on est, État Georgie, c'est le cinquième État qui gagne plus haïtien dans les États-Unis, et puis langue créole haïtienne, c'est la deuxième langue qui plus sollicitée dans le bureau de l'État ou bien dans le travail. Jacques Laurent, qui est vice-président chambre commerce haïtiano-américain dans l'État Georgie, est présent dans la rencontre. La rencontre, ça a été faite côté Kounia, c'est pas simplement à discuter pour venir faire un bel festin dans la ville d'Atlanta, et gagne un célibat qui a traduit pour nous. Pour créole dans les archives de la ville d'Atlanta. Avocat immigration Lana Joseph expliquait VOA Creole
depuis que les chiffres ça yo pas suspend augmenter et qui ça yo mettez à disposition moun sa yo kap entrer dans pays ya. Nan 2021 les que masse population haïtien yo même yo té nan Bar Bridge nan Texas. So te gen en pile moun ki té sorti nan Texas et nan yo t'ap chercher pou yo ki côté pou yo aller et moi capable di ou Georgia c'est yon nan état qui té recevoir en pile haïtien spécifiquement nan Atlanta. M pense que Atlanta li yon bon position si tout ou gen en pile nan l'église yo et aussi en pile nan organisation yo côté yo bay aide yo pour aider moun chercher travail, yo mené yo à l'hôpital, yo mené yo aller nan apprentement en tribunal yo. Avocat Sandra Jean qui a milité pour droit travail nan communauté a fait konnen yo gen en pile organisation qui là pour aider haïtien yo. Gagné the Haitian American Nurses Association of Georgia. Gagné also International Women of Hope. Gen tellement organisation en pile moun toujours posté nan Haitian living in Atlanta. Si tout fò gòn kesyon, mwen moun mande kesyon trans comment pou yo moun ki ka ede yo tradwi, yo mande pou job, yo mande pou kay. Haïtien yo engagé nan group lan et yo toujours chèchon jan pou yo kapab. Le général haïtien Atlanta pour comment yo capable aider un groupe haïtien dans l'état Alabama cap la consulat pour voir qui ça n'a fait pour eux parce que un groupe environ 7 à 8 000 cap qui dans Alabama et des ouais c'est Tyson Chicken ou bien Perry Chicken basson qui est là yo et là il y a travail dans coubette yo mejanit pour VOA créole Atlanta. Merci pour attention nous, moi c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir.